Ici, si je fais un quad, ça veut dire que je fais un allongement par ici, puisque mon quad, c'est ce qui fabrique mon bras. Je peux pas fabriquer un allongement ici, puisque il va être coincé entre des bois morts, là. Il est vraiment très mal orienté. Donc là, mon quad, il peut être que ici, là. Sur l'ancien quad ici. En fait, là, j'ai des bourgeons ici. Au printemps, ils vont sortir, là. Là, j'en vois, là, il y en a. Ils vont sortir au printemps. Il était mort, celui, ça, c'est le quad de l'année dernière, oui. Hein, qui a séché avec le gel. Mais regarde ici, t'en as des bourgeons. Hein. Oui, d'accord. Et donc, là, c'est au printemps. Si je rase celui-là, ça va forcer le bas à pousser. Oui, de toute façon, celui-là, je vais pas le garder parce que j'ai ma fructification là, j'en ai bien assez. Et de ce côté-là, je vais laisser un œil quand même, parce qu'il faut quand même pas faire mourir l'ensemble du bras. Hein. Je vais laisser un œil. Et quand je vais passer les pamprés, si j'ai des pampres ici et des pampres ici, je vais enlever celui-là. Je suis en train de vous dire là que sortez du gel, les pamprages, mais préparez-vous. Hein. Ça va être hyper intense et il va falloir absolument y passer quoi. Et quand je dis ça, cette partie là que vous faites épamprer d'habitude et le pied là, ce sera secondaire. L'important ce sera ce qui sort correctement au bon endroit. Et là il va falloir jouer la sélection quoi. Parce que ça va sortir, obligé. Ce qui s'est passé sur le gel cette année, c'est que la plante elle était déjà bien en pousse quand elle a gelé, donc elle avait déjà dépensé de l'énergie de ses réserves pour faire ses pousses, elle a fait crever, elle s'est fait geler ses pousses. Et donc de nouveau, elle a dû retaper dans son système de réserve pour refaire sortir des nouvelles pousses. Vous comprenez ça? Quand ça s'est bien passé et qu'on a des gros sarments dynamiques, on peut se dire, elle en avait des réserves, ça va, ça va. Donc elle a de nouveau fait beaucoup de feuillage, elle n'a pas eu de raisin ou quasiment à faire mûrir, donc elle s'est retapée. Probablement qu'au printemps, là, ce printemps, ça va être dynamique, ça va bien se passer. Mais si vous avez des plantes avec des faibles pousses, un peu à l'image de celle-ci, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette plante-là, elle avait juste de réserve pour faire un an, pour faire sa pousse de l'année. Elle l'a faite, elle s'est fait geler, et du coup, elle a refait des pousses, mais ses pousses sont malingres. Donc, ça veut dire que cette année, celle-là, ça va pas être la fête. Alors faire tomber les bois qui sont gelés, en fait, ça dépendait de pas mal de choses. Partout là où on a fait tomber les bois qui sont gelés, je trouve que souvent on a une meilleure réaction que là où on n'avait pas touché. Mais attention, parce que encore une fois, si on fait des recettes comme ça et si on se dit il fallait absolument le faire, on s'éloigne de on a une recette ce qui marchait peut-être un an et qui marchera peut-être pas la prochaine fois. Et donc c'était pas évident de le savoir parce qu'on avait oublié l'impact du gel. On avait oublié ce qu'il fallait faire d'ailleurs. On s'est retrouvé complètement démunis et on s'est retrouvé là à regarder nos vignes pourrir là. Et ça, ça a été compliqué. Moi, ce que j'ai pas aimé, je sais pas comment vous l'avez vécu, c'est que ça gelé, dès le lendemain, je goûtais. Putain, mais c'est sucré. C'était très sucré. Je continue à goûter le surlendemain et là, du coup, c'est oula, mais ça fermente. Le sucre fermentait et au bout de 5-6 jours, ça sentait le lisier dans toutes les vignes. Et ça, c'était connecté à la plante. Donc, il y avait du lisier connecté à la plante dans toutes les vignes. Moi, ça, rien que pour ça, j'aurais préféré faire tout tomber l'année dernière. Rien que pour ça. En fait, tailler, je me suis aperçu que c'était hyper long, quoi. C'était hyper long, quoi. Et c'est sûr que repasser partout et tailler comme ça, il y en avait pour cher. Mais faire tomber avec le doigt, et en fait, la plupart du temps, ce qui était sec, hein, et même des fois, il restait... des choses longues comme ça, et on a eu des entrecœurs qui sont sortis hein, sur des choses longues comme ça. Partout là où on a fait tomber, le contre-bourgeon a démarré et ça s'est vachement mieux passé. Ça a fait presque comme si on avait une demi-récolte, quoi. Alors que de laisser les entrecœurs, pas de récolte. En fait, si tu pousses dans le sens du. Dans le sens, si le bourgeon il est comme ça, tu pousses dans son sens, la plupart du temps, je dirais, allez, 7 fois sur 10, le contre-bourgeon restait. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire que tu pouvais aller très vite. Pac, 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 pac. Ça faisait comme ça, c'était très rapide à faire. Et dès que tu l'avais fait, tout d'un coup, tu te retrouvais avec ta vigne comme si elle avait été taillée et comme si, enfin, au niveau émotionnel, ça faisait du bien parce que tu faisais tomber toute cette pourriture visible là. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors c'est peut-être illusoire, hein, mais en tout cas, pour le moral, c'était bon quand même.